Hello tout le monde, c'est Asso. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur GTA V. Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. On a un petit mail de Dave, machin, du FIB. Qu'est-ce qu'il nous dit? Écoute, tu es probablement très contrarié par la petite faveur que je viens de te demander. J'aurais préféré ne pas t'impliquer, mais mon chef fouille dans les vieux dossiers. Je sais qu'on avait un arrangement, mais vois ça comme un nouvel accord. C'est regrettable, mais comme je te l'ai dit, tu es sorti toi-même de ma protection en reprenant tes activités. Je t'ai prévenu que ça poserait un problème, mais tu ne m'as pas écouté. Je vais faire de mon mieux pour te protéger en tant que partenaire privilégié de ma firme, mais tu vas devoir y mettre un peu du tien. Ok, ouais, ça veut tout dire. Super. Du coup, on va aller voir ce Dave à nouveau du FIB là. C'est exactement le point que j'ai mis sur la carte et voyons voir ce qu'il a à proposer. On a également une mission qui est dans ma baraque. Wow. J'ai failli te... Qu'est-ce que tu veux toi? This crazy guy smacking the shit out of his girlfriend. I don't know what to do. I think he's gonna kill her. Ah bon? Come on, quick! This way! She was screaming no and he just kept hitting her. It's just over here. We got one! Go get in there! You fucking moving, you... Oh là, 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 attends. Problème réglé. Il y a d'autres questions peut-être. Oh, comment je vous ai fumé la gueule tous? Tu t'es foutu de ma gueule toi en fait? What exactly is wrong with you? Hein? Tu t'es foutu de ma gueule en fait? Tu t'es foutu de ma gueule, espèce de... Margot. Voilà. Come on, get up. T'es foutu de ma gueule, hein? Voilà. Connasse. Bien. Ok, bah quoi? Bah c'est elle qui a commencé, on est d'accord, hein? Possible, ça, je te jure. Bien, reprenons les activités. Où est-ce qu'on en était déjà? Parce que du coup, voilà. Bon, retournons donc, comme dit, voir le monsieur du FIB. Et voilà voir ce qu'il nous propose. Pendant que Franklin, dans l'épisode précédent, on avait discuté avec Franklin de, et on lui avait annoncé ben, qu'on bossait pour finalement les fédéraux. Désolé. Ouais, bah je sais pas rouler. Regarde sa droite là. Ah ouais, sa droite. Ok, très bien. Poursuivons. Ouais, et on avait donc annoncé à Franklin qu'on bossait pour les fédéraux. Il n'était pas très content par rapport à ça, mais on s'est quand même trouvé un allié de taille, j'ai envie de dire. Puisqu'il en a déjà rien à foutre et il a dit que... Et il a dit qu'il allait nous aider, en plus de ça. Merde. Désolé, palmier. I'm so sorry. Ok, et ouais, voilà. À part ça, rien de neuf, rien de fou. J'ai plus de thunes. C'est un énorme problème, ça. Je n'ai plus une thune. Et ma bagnole n'avance plus. Donc on va changer. On va changer et on va prendre. Voyons voir. Oh, ça c'est beau ça. Prête la voiture! Prête la voiture! Et, ah, ouais, c'est exactement, c'est juste une bagnole. Alors il y avait un flic, mais il avait pas l'air de s'en soucier vraiment que je prenne la voiture au mec. Bon, très bien. Excusez, hein. Et d'ailleurs, il s'est pas soucié non plus du fait que je dépasse comme un connard. Et maintenant, comment ça se passe? Ah ouais, carrément au bureau du FIB toi. Et t'y vas en Marcel, tranquille la vie? Tu voulais pas mettre un petit peu, hein, je sais pas moi, un petit effort dans les fringues là? T'es arrivé comme un touriste, non mais je te jure. Ils sont beaux ces bureaux, dis donc. C'est vraiment sympa. Allez voir Dave. Allons voir Dave. Tu fais péter la bière ou un truc? Un café. T'es sérieux? David. Well, isn't this nice? You didn't tell me we were double dating. Sorry guys. This burning hunk of love is all mine. Brilliant! Steve Haynes, amigo, but you probably knew that already. Sorry, your name tag must have fallen off. Oh, duh! I love it! I gotta I love it! Down. And to shoot you in your head, you annoying dick. Andreas, taking notes? This stuff? Whoa! Pure magic! I should put it on my show. Have you seen my show? Non, j'en ai rien à foutre. Dress like a salesman on a cheap golf weekend at a third-rate country club. So,
Ouais, prends une chaise. Well done with our, Il est où mon café? Mr. K. My pleasure. I love helping our government wage war, especially with itself. But you made a mistake. Did I, cupcake? Why don't you keep your fucking voice down before I close your fucking windpipe? The joke stopped now, pal. You will show me and my team some respect. Maybe you could define team for me. What? Is that just the three of you? Or the greater FIB? Or the entire government? Because I'm tempted to argue that thus far, we haven't shown a lot of your colleagues a whole lot of respect. And why didn't you start with me, genius? Sors ton flingue! About... We have received intel that they're using this to create the local agency station. I just dealt with that guy. The agency is stepping up their questioning because of your moronic antics down at the coroner's office. We need to get him out of there before he blabs. I did what Agent Norton said. Then I guess you getting involved with a clapped out old agent who's been living off of past glories was your first mistake. You are my boy now, amigo. My career depends on this. And that's very important to me. So seeing as we're all boys now, that makes it important to you. You'll run along, kids. See, there you go, Dave. You can't teach an old dog. Et même pas une petite claque, rien du tout, genre tu nature. Dave, laisse-le-moi, s'il te plaît, laisse-le-moi. Je t'en... The Bureau owns a lot out in East LS, Covington Supplies off El Rancho. Can you take us there? Non. Yeah, sure. Sounds nice and secluded. Non, j'ai pas envie. Là, ce que j'ai envie, c'est... So I bet federal ain't on the deed, that's so. And we all like our federal government open and transparent. Except when... Où est-ce que j'en suis de ma force? Au ridicule. Enclosed and opaque suits you better. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. Et y a pas des salles de sport, normalement? J'ai pas débloqué les salles de sport encore. Arrête de regarder ton téléphone. I didn't see you do that. Yeah. Ignore that. And concentrate on all the IAA agents we're gonna run into. Ouais, on va tuer des gens. Taxpayers treating you right. Allez au lieu de rendez-vous, allons-y. Et je me tâte de plus en plus les amis à faire un petit peu de online, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et les conneries qu'on peut faire potentiellement, et etc, etc. Oh, mais je me dis que j'ai pas encore tout débloqué dans le bordel. Dans le jeu, donc genre je peux pas encore acheter de bâtiments, de baraques, je m'entends, on est d'accord. Hein. Mais voilà quoi, je commence quand même à me tâter un petit peu. Wow, désolé. On appelle Franklin. Mike, this ain't the best time, I'm kinda busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho, not far from where we met before. All right, that's cool. I'm in LS anyway. Ah, ok, mais je crois que t'étais occupé, mec. Apparemment, il a l'air de la foutre. I ain't calling him. I thought you might say that, so we had him picked up. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K. Quoi, il a appelé Trevor? Oh putain, ça va chier, ça va être drôle. Et d'ailleurs, il y a un autre truc que je me demande. Est-ce que mon logiciel de son va planter si toutefois je change de perso pendant un fight ou pendant quelque chose? Il y a un hélico ici. Ok. Oh bah, il était rapide, Franklin. Pourquoi tu t'es changé, toi? Je t'ai mis en mode dégueulasse. Oh. Franklin, come on, you better take off. Really? Shit, I'm good. I ain't bailing. Whoa. What, am I detecting some sort of son I never had bullshit here, Mikey, huh? Hey, listen, Mikey? If you want to replace some father figure, you can do a lot better than this fat snake, all right? This fucker would eat his own kids. Like I said, Franklin, deranged. Yeah, and best friend. Exactly. That's Trevor, my best friend. That's Franklin, the son I always wanted. All right, guys, listen, this is the shot. I'm gonna do all the heavy lifting on this job, okay? Trevor, all I need you to do is fly me to the target. Franklin, you're gonna cover me from across the street. We're gonna make these assholes happy, and we're gonna walk away from this thing clean. Got it? I got you. All right, and we do this, and they help us spring Brad, right? Yeah, we'll talk about Brad later, all right? I gotta change. You better grab a head start. Nice to meet you, homie. Yeah, whatever. Whatever.
Whatever. Du coup, on prend le contrôle de qui dans cette histoire? De Trevor? De l'un? De l'autre? De qui? Ah ouais! Let's go. Ah ouais! D'accord, très bien. Alright, let's do this thing. Let's do the thing. We need to go to the agency headquarters. Est-ce que ça a planté, oui ou non? Avant que j'enchaîne, hein, parce que disons... Ah non, visiblement ça marche, disons que c'est fou ça. Ouais, t'inquiète, c'est bon, pilotage d'hélicoptère, ça c'est bon. J'ai fait des essais, ça va plus ou moins. Okay, pour tourner à gauche et tourner à droite. Oui, je suis au courant, merci. Stay frosty. Ah tiens, on peut se poser sur l'héliport juste là-bas aussi. Wow, c'est... Ah, attention, voyons. Alors quoi, le principe c'est quoi? C'est monter sur les l'office du FIB? Ah d'accord. Très bien, bah allons-y. Je sais pas à quoi vous jouez les gars, mais ça sent le penné un petit peu, je trouve. C'est ici? You fuck around while I'm out there. I'll climb back up this rope and strangle you with it. Yeah. Séance pour descendre, rappel appuyez sur gauche pour descendre plus vite. Maintenez clic gauche après avoir sauté pour un saut plus long. Ok, d'accord, j'ai capté. Et c'est dans quelle fenêtre qu'il faut que je descende? Parce que mine de rien, il y en a beaucoup les fenêtres. Non. Vous ne voyez rien les mecs, vous ne voyez rien. Ok. Next, I'll have this thing so far up your ass, your tonsils will be playing shadow puppets. You think we can't do that? We can. It's in our guidelines. I don't know what you're talking about. I installed cinema equipment, not surveillance. Absolument, absolument, faut le croire. Et la corde n'est pas du tout suspecte derrière vous, les amis. Non, absolument. Vous ne voyez pas la corde. You think you're impenetrable? See how you feel with this is 18 inches deep inside. Non, sérieusement. Who the fuck is this? Terminate him. Close this problem right now. Yeah, I can use a little backup here. Get me the station chief. Prenez le contrôle de Franklin. Ok. 36 flow. Attends. Ouais, c'est bon. De toute façon, on s'en fout. Hold on. Olé. Don't shoot me. Hein? Alors? Oh non! Olé! Olé! Allez! Allez, qui veut? Merde! Oh dur! Sour! C'est lui qu'il fallait que je prenne! Du coup, je fais quoi là? Help me, please! Oh, allez! Get us out of here! Roger that! Oh, wow! Looks like we've attracted the... Oh, merde! Arrête tes conneries! You got a bogey coming at you, Franklin! Je vais prendre contre quand vous affrontez les hélicoptères. Dégage de là, toi! Bye bye! So next, please! T'as raison, toi. Dégage. Clignote en rouge. Barrez-vous d'ici. Oh oui. Dégage de là. Ciao. Allez là! J'ai eu qui? Oh, ce carnage monumental! Ouais!
C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. On les a, on les a. Enfin, easy peasy, mec. Exactement. Parce qu'on fait ce qu'on veut. Attends, je vais reprendre. Attends, je vais piloter un coup, moi. Thank you. Bah, avec plaisir. Thank you. Don't mention it. The bureau, the FIB, they will make everything okay. Non, don't worry, pas vraiment. Ils vont me buter dès qu'ils vont te voir. The things those people did to me. C'est exactement comme ça que ça va se passer. I'm an American citizen. Put her down in the lot, Trevor. Wow, 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 wow. C'est où qu'on pose? C'est là qu'on pose? On va dire oui. Vous avez attaqué le FIB. Vous avez attaqué le FIB. Mais t'es sérieux, mon pote? Oh, mais c'est une foutue blague! Mais qu'est-ce que tu foutais en dessous aussi, espèce de gros con? Oh, my freak! Espèce de merde! Non, mais c'est une blague! Non, mais c'est une blague! Non, là, c'est une blague! Quoi? Quoi? Ouais, 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 bah, c'est ce qu'on, exactement ce qu'on est en train de faire! C'est une blague! C'est une farce, sans nom! Possible, ça, je te jure! Carrément, obligé de se mettre en troisième personne pour être sûr d'écraser personne! La blague! Oh, c'est bon, je suis. C'est bon, ça m'a saoulé! N'importe quoi! Thank you! Ouais, bah je t'en prie! Thank you! Ouais, eux par contre, ils vont pas te sauver, hein, je te le dis clairement! FIB, they will make everything okay! Oh, arrête de te chier dessus! Oh là là, c'est pas vrai ça, merde! The things those people did to me! I'm an American citizen! Ouais! Whatever! Ouais, bah c'est ce que j'essaie de faire depuis avant, mais. Mais il faut faire attention à pas blesser les gens du FIB. Putain, je te jure, y'a un hélico qui pose, tu t'arraches, non? Enfin, j'en sais rien, moi. Voilà. Allez, hop. Bagnole suivante. What the freak? Ouais, c'est ça, va enlever ce truc. In bed with the bureau and a new running buddy. Yeah, he's more of a protégé. Yeah, what, you gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Michael, look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, they stay the same. Yep, I guess. All right, Trevor, I'll see you later. Oh, you better believe it, buddy. Tranquille, et Trevor, il s'arrache avec un hélicoptère. Ça va la vie. Bien. Du coup, ben, la sélection de voiture se fait assez rapidement, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nouveau contact, Steve. Mission réussie. À 3, c'est mieux. Bah oui, réessayer, ben alors quoi? Putain. Bah ouais, réessayer, parce qu'il y a un gros con qui s'est mis sur mon hélicoptère. Voilà pourquoi. Possible ça, je te jure, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. C'est flippant. Bien, les salles de sport. Ouais, on n'a pas de salle de sport, dis donc. C'est fou ça quand même. Suburban, magasin de fringues, fringues, blablabla. Pourquoi il y a une légère frisouille là dans ce qui est. C'est bon. Ça a coupé là-bas ou pas? Non, parce que si ça a coupé, ça va m'énerver. Il y a un autre truc qui m'énerve là, ça serait dommage. Non, ça va, ça tourne. Ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller chez Michael. Ou alors... C'est quoi ça? Triathlon. Ok. Est-ce que toi t'as une endurance pourrie, amigo? Oh, ton endurance elle est quasiment maxée. Toi ton endurance elle est pourrie. Toi t'es nickel, toi t'es un fou, toi t'es un cinglé. Ouais. Le pilotage est assez moisi aussi chez lui. Hein. On pourrait faire un petit tour au niveau du
pilotage et la force. Putain, j'étais sûr et certain d'avoir le... ouais. Vos propriétés en difficulté peuvent être aidées. Oh, seriously? Ah bah allons-y. Est-ce qu'il tourne encore ce logiciel d'enregistrement? À un moment j'ai eu un doute. Mais il bougeait plus le con. Bref, ouais, on verra bien, je verrai bien en montage de toute manière. Bon, allons aider. Oh, mollo mec. Allons aider la propriété en danger. Que je sais pas trop ce que t'as comme danger dans un bar. Mis à part deux ou trois soulards, t'as qu'à leur péter leur gueule et ce serait réglé. Mais non, t'es obligé d'appeler le patron parce que voilà, t'es pas capable de faire les choses toi-même. Bordel, c'est pas vrai ça. Je vous jure, soyez vos propres patrons les amis. Arrêtez. Le mec qui va faire une révolution, tu sais. Exactement. Soyez vos propres patrons, merde. Tu vois, regarde, t'es obligé de ramasser la merde des autres à chaque fois. Voilà. Alors autant que tu sois toi le patron, mais avec des employés, en fait avec pas d'employés. Démerde-toi pour faire un boulot où tu es tout seul. Au moins y a moins de problèmes. Pas de chance. Fais des vidéos. Regarde, voilà, je suis mon propre patron, je fais ce que je veux, je sors quand je veux, je fais... Bah tu vois ce que je veux dire? Je sors des vidéos quand je veux, hein, je voulais dire. Ah. Et tout va bien, et tout va très très bien. Voilà, tout simplement. Bon, après c'est un peu compliqué de satisfaire tout le monde, c'est un fait. Mais regarde, quand même. C'est une question de principe, ça ne va plus, rien de... He just stole your bag, ah bon. Gotcha. C'est lui qui a volé ton sac? Je suis désolé hein. Ça va mon pote? Bah ouais, bah en même temps t'as volé le sac de la dame hein. Alors il est où ton sac? Il est là. 500. Gardez, rendre, toucher la récompense. Bah on va toucher la récompense hein. Parce que 500 c'est pas énorme. Peut-être que si ça se trouve elle va nous donner un peu plus de blé, du bif. Selon comment tu le vois. Salut madame. Hello. Hello. Here you go. Oh, you are such a sweetheart. I'm not even from here. Thanks so much. Elle m'a filé 50 balles. Elle m'a filé 50 balles. Voilà. C'était bah ouais, attends, 50 balles c'est ridicule. Là j'ai récupéré 90 en plus. Bon. Alors c'est super random hein, ce truc là, mais des fois, visiblement et apparemment, à ce que j'ai vu sur le net, on peut tomber sur des trucs assez fat quoi. Le pistolet de combat est maintenant en vente dans les armuries. Ouais, très bien. On y reviendra. Wouh, ça passe. Arrêtez le voleur, il est où le voleur? Ah ouais. Ça va ou pas? Mais arrête de klaxonner, je te préviens. Merde, y'a les flics. 22 là les flics. Semez les flics. Bah on va essayer. Si je voulais bien démarrer la bagnole. Assez rapidement, voilà. Et on se tire. Mais non. Dégage. Et comment on récupère l'argent d'ailleurs de ce foutu bar là? What the fuck? Oh ça va. Oh, on est bien au milieu de la route là. Non, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Allez là. Comment je te sème? Recette de barre récupérée. Ah, c'est comme ça que ça se passe? D'accord. Et mis à part ça, on peut pas... Oh, désolé. On peut pas récupérer ça d'une façon différente. Dans la patate de la bagnole, toi. Ouais, attends, on va peut-être... voilà. Non, le pompe, c'est pas beaucoup mieux. E pour utiliser un distributeur. Ah ouais. 33 000. Ah. No, seriously? Arrête, on peut pas récupérer cette...
Comment on fait pour récupérer cette merde? Oh, tu la récupères pas en gros, c'est ça que tu veux me dire? Bon, très bien. Ok, on se casse. Dans ce cas, on se casse. Ouais, démarre, et plus vite que ça. Allez, direction chez Wham. Allons voir ce qu'on peut faire. J'ai fait un sale bruit quand même, la bagnole. Vamos de car, amigo. Merci bien. T'as qu'à prendre la mienne, ça va. Oh là là, t'énerve pas. Voilà. Bah il posera moins de problèmes comme ça, il posera aussi surtout moins de questions. Et c'est beaucoup plus simple. Voilà. Wow, 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 wow. Eh merde. Alors prends Steve, c'est qui Steve déjà? Ah oui, c'est vrai, c'est Steve Haynes here. Agent Douchebag. Warehouse, off Dutch London and Banning. Great. Sounds just like my kind of party. Désolé, j'ai pas le temps. Faut que j'aille chez moi là. Donc tu m'en veux pas, ce sera pour une prochaine fois. T'es mignon hein. Oh. Regarde, c'est pas dans cette rue que j'habite. J'ai oublié dans quelle rue j'habite. Ça craint hein. Ouh. Salut. Est-ce que c'est dans quelle rue que j'habite déjà? C'est dans celle-là? Non, c'est pas dans celle-là. Enfin, je crois pas. Oh, peut-être bien que si en fait. Non, c'est pas dans celle-là. Quoi? Aller à l'entrepôt? Oh, vous faites chier. J'allais aller chez moi là. C'est quoi cette histoire encore? Qu'est-ce que tu veux que je foute dans un entrepôt? Merde. Oui, parce que j'ai pas lu. Ah, il faut que je sélectionne Trevor. Oh non. Mais non, ça craint un tantinet parce que si je sélectionne Trevor, je sais que mon jeu il va planter. Enfin, pas mon jeu, mais mon enregistrement. Oh, t'es sérieux? What the? Ouais, ouais. Oh, t'énerve pas. Chiant, je te jure, les gens. C'est incroyable. Bon, alors, on fait quoi en fait? On prend Trevor ou on prend pas Trevor? C'est quoi le principe? C'est quoi le concept? Comme j'ai pas lu, voilà quoi. Salut! Pardon, excusez. Oh, t'énerve pas. Et les gens râlent pour rien, vraiment. Une petite égratignure sur la bagnole et c'est bon, c'est parti quoi. C'est assez incroyable. Et puis t'insultes les gens en plus de ça, c'est fou quand même. Hop! Oh bah. Oh, la façon dont il dit ça, t'sais. Oh bah, désolé. Ah, voilà. Non mais il est où c'est pas... Oh ça passait, arrête tes conneries. Non c'est pas ta bagnole en plus, alors arrête de dire ça. Mais bougez-vous de la route merde quand j'arrive, ce sera plus simple. Non non non. Great. Great great great. Ah bon, on est reparti. Retente ta chance, Asso. Ça passe, toi. Loco? Loco, ça veut dire cinglé, c'est tout ce que je sais. Ouais, bah tout droit. De toute façon, c'est pas ta bagnole, on s'en fout dans quel état tu la prends. Hein. C'est ici l'entrepôt? C'est carrément pas ici l'entrepôt. Oh, dur. Merde, on voit rien en cette. Ah bah, on voit rien du tout. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Ressors de là tout de suite. Possible ça? Oh 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 ouais mais pas trop vite non plus. Oh là 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 là. Ouais ça passe regarde. Oh merde. Bon. Bah il est là Trevor. Salut les gars. The hell are you doing? Nothing. Are you taking a dump? Why do you care, huh? The fuck is wrong with you? Chier. I got abandonment issues. I see a shrink once a week.
You know, fuck you. Yeah, well, you know, nothing like meeting a bunch of creeps from the government in a quiet building for someone to grow balls. See his face that last time I popped it. Boom! Oh, ladies! God, you're an asshole. You back there. I know you, but you, I don't know. Yeah, well, until I see reason otherwise, why don't we just keep it that way? Steve, what a pleasure, bro. Oh! It reminds me of one of those guys you see advertising pills for middle-aged men that can't get erections. Hey, Devin Weston is a very good friend of mine, so why don't you watch your tongue? Because let me tell you something, that guy gets more tail than a tail catcher. Fucking remember that. Oh, mais Trevor, je t'en supplie, pète-lui la gueule. Je t'en supplie, pète-lui la gueule. Nowhere, pal. Yeah, we did. Hey, oh. What are we doing here, huh? What? Bonne question. Yes. Please, keep the sleep bastard away from me. No, Ferdinand, he's gone. It's okay, I've got some new friends here now. No, this okay. Is Michael, and this is Trevor. No. Now our friend he claims he doesn't know anything. I don't know anything. I don't know, I already told nothing. I don't know anything. Please, sir. You know about the Azerbaijanis? Huh? Azerbaijanis. I do audiovisual, hi-fi audiovisual. It's top man, good price, VIP, you know? You're a fucking spy. And the asswipes at the agency know this. So I need to know. What did you tell them, and what did they tell you? I told them what I tell you. Uh-huh. What? Hey! Whoa, what is this? The house in Rockwood Hills. The man who owns it. He works at the consulate. Oh, that's all I know. That's it. I go. You're gonna make him speak. No. Gonna drive up to Rockwood Hills. No. And when we find out which man is the man with the problem, you put him down. No. I'm tired of these fucking nitwits at the agency taking all the glory. Let me go. Hey, fuck is all this, huh? I think it's a good time, buddy. You know, go for a drive. You get to work, and I'm not here. Intéressant. Pourquoi je peux pas prendre Trevor? Moi, j'aimerais bien faire un petit peu de. Oh, vous êtes pas drôle, les gars. Sérieusement. Pourquoi je dois faire le chauffeur, moi, nouveau? On s'en fout de faire le chauffeur. Je voulais couper des doigts, moi. Je voulais, enfin, j'en sais rien, faire un truc, quoi. Oh, vous êtes pas drôle. Qu'est-ce que c'est que cette voiture aussi à la con là? Excusez les gars. Faites un peu de place. Bon. For sure. There's nothing we can do about it. Absolutely. Him right now, I'd be right under a microscope. An electron microscope of bureaucratic shit. And that would make it very difficult to keep old secrets. Oh well, boo. T'as vu hein? Ce millimétrage comme ça? Incroyable. Non, je peux pas expliquer. I only brought him in after you put out your press release. Ah, faut qu'on ait buté un gars, c'est bien. Je suis content. Encore une fois, j'aurais préféré couper les doigts, ça aurait été plus rigolo. Surtout quand c'est Trevor que tu incarnes. Then Trevor flips out, beheads me, kills my family, or raises his own. I don't know which is worse. Anyway, any of that could happen at any time. Slow down. Ba-da-ba-ba. Slow down. Let's think this through. What does he know? He knows I'm alive. He knows I got money. And now he knows I'm working with the FIB. Enfin, t'as de l'argent, vu c'est vite dit, mec, hein, parce que, comment te dire? The fuck does that matter? Either you were working with us before the cash depot job. D'ailleurs, faudrait que je regarde sur le téléphone sur cette action de Life Invader encore une fois. Other landed in a federal penitentiary. Or, we stumbled on the cash depot job. Brad went down, you went down. Ça passe ou pas? Ah, pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette photo là, de truc Oh, c'est pas ici qu'on a fait le casse de la bijouterie? On dirait bien. Hein. Ouais, c'était là, je crois. Burr. You remember after the bust, I was in all the papers. I was on the evening news. The man who killed Michael Towner. Yeah, I was quite a trophy. A good head to hang on your wall. This is bullshit. Ah ouais. This place, Davey,
They've been shooting the real cunts of suburbia here the last few weeks. No way that's your guy. Shit. You are kidding me. I'll call Steve. Ouais, fais ça. Wrong house. This guy isn't our guy. Okay, okay, okay. You sure you don't want to silence him just to make sure? If we're silencing someone, we're silencing the right someone. Get me another address. Ouais, on va devoir refaire le taxi. Non, mais tu plaisantes. Hey, you want a coffee? Ah, c'est malin que tu proposes un café. Voilà, prenez l'arme sur le chariot. C'est bon ça. Wait. What are you talking about, the wrong guy? No. Who do you want? Just tell me what you want. Ah, man. Ah, please. Look at me, please. Ok, alors, on va commencer avec quoi? Électricité, ça me paraît bien. Ah, t'es sûr? On va voir ça. Maintenez pour accrocher la pince gauche sur la pince. Non, appuyez sur eux pour faire des étincelles. Et hop sur le téton, et hop sur le deuxième téton. Non, toujours pas. Ça va, t'es bien Tahir Javan. Why didn't you ask me? I know Tahir. I did his home theater. He lives in Chumash, right into the Western Highway. Oh, that wasn't so tough, was it? Huh? Did you get that? Did you hear him? Lives in Chumash. Okay, très bien. The Western Highway. Chumash. You're driving. Tu me fais chier. Pourquoi c'est pas toi qui conduis? Terror does not take coffee breaks. Oh. What a dick. Seriously? Mec, franchement, tu pourrais, hey, tu pourrais faire un effort. Hein. Tu commences un peu à me casser les bonbons là, tu vois. Mais oh, faut qu'on ait Chumash. Viens-moi avec cette tête de cochon là, putain, mais incroyable. Mais t'as qu'à prendre le volant, merde! Voilà, ça, ça éviterait que ça s'arrive. Possible ça. Allez, allez, on fait de la place, on fait de la place. So how are Steve and Trevor getting along? Seems like a productive relationship. Well, like I said, he's got his uses. And as you can see, we're trying to take full. Et laisse-moi deviner, on va arriver sur place. Ah oui, en fait, finalement, c'était pas bon. Parce que ouais, le mec il sert à rien, tralala. Alors on va devoir retorturer le bonhomme, hein, voilà comment ça va se passer. On va devoir retorturer le bonhomme et il va nouveau nous filer une information de merde. On va refaire le taxi une troisième fois pour refaire le taxi une quatrième fois. Et tralala, et l'histoire ne s'arrêtera jamais et machin et truc. Oh, laisse-moi le torturer pendant 3 heures et tu vas voir qu'après il va te donner l'info, mon pote. Casser les doigts les uns après les autres là. Les phalanges même les unes après les autres. Ouais. Bah quoi, merde. Bon, faut qu'il parle aussi, quoi. That's good. Fine work. We'll send another letter. It's about time anyway. Oh, so that's you who's been sending. Bien, on est arrivé bientôt. Trevor, huh? Yeah. Bon, au moins, on n'a pas des kilomètres à faire. Si Brad, who he thinks is locked up in high security and not, well, not 6 feet under in a grave marked Michael Townley. Bien, voyons voir. Ah, ils se mettent sur un spot et tout comme ça, genre. This'll do. Alright, find out who we're looking for. Yeah, we need a description of the target. Yeah. Yes! I'll take care of it. Loosen him up. Oh no, no, please, I tell what? You what you loosen want him to up! No, please. Ouais, item suivant. Alors. Bon, l'électricité c'est... Oh! You don't look loose to me. Tahir? What do you need to know? Tell me! I'm Bruce! Ah bah tu vas vite parler, ça c'est clair et net. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Frapper avec la clé anglaise. Watch the knee. Hey, 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 hey. Now? Huh? Now you ready to talk? I've been ready to talk since the day I got kidnapped 6 weeks ago. That's what we were afraid of. No, I mean, so, yeah, this guy we're after, what does he look like? Average build? Come on. Average height? Middle age? Yeah, it sounds like you're stalling, this better be enough. Middle age, middle height, middle build, whatever. He's dark, okay? He's Azerbaijani, for God's sakes. Look around. That enough for you?
trouver la cible. Alors, quarantaine d'années, bronzé. Ouais, mais. We're live. You Mec. See anyone down there who might be an Azerbaijani? Fuck do I know? You might be an Azerbaijani for all I know. What's one look like? They look Eastern. Half this town looks Eastern. Voilà, c'est ça. You got the fall of the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call, Dave. We're gonna need some more info on this guy. They're having a party down there. Prenez contrôle de Trevor. Absolument. On est reparti. Shit. I let me think. I. Sorry, too late. Trevor, show our contestant what he's won today. I remember. Bien, on va tout essayer, hein. Je suis déjà. Alors j'étais bien tâté, mais ça on va faire ça en dernier. Parce que je pense qu'on va tout utiliser. Alors utilisons ça. Are you still alive? Ah je sais pas trop mais. Faut saisir une dent hauteur. Tough SOB, that little guy. Shit! Oh. That hurts so hard! So what have you got for us? We need Trev to shake up your memory again? No. He's got beer. Oh, he's got beer? He's got pooch beer. I think you're making this up. No, I'm not. Huh? No. Yeah? I'm telling you the truth. Bushy beard? Got any beardy types at this party? Huh? Yeah, good, they barbu, mec! That's all Mr. K's giving us. No. You know, I'm thinking maybe we ought to just take two bullets and put them in our informants and just call an airstrike on Chumash Beach. Ça I need bien. Eyes on that party. Pick up the scope and give me a report. Mais mec, ils sont tous barbus dans ce bordel. Il y en a un, Steve il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a... Let's start at Mountain Man and we'll work our way quatre, down until someone fits quatre, the profile. 5 6 ça compte ou pas? Enfin, 6 7 voilà 8 parce que lui aussi... non 7 ouais bref ça craint absolument on est reparti it's gonna be a long day until you give us some intel on our target he's got beer he smokes like a fucking chimney I don't know Trev maybe one more time just to voilà. Be sure please no I told you he smokes that's all I know. C'est ça, ouais, attends. Va pour ça. If my mama had waterboarded me more often, I wouldn't be the gun-toting psychopath you see before you now. What if you get it wrong? I was drowned. My oh, mom, ça. I was drowned. Ow. Voilà. Blood in my mouth. Oh, c'est dommage, ça, dis donc. Bah, tu vas avoir autre chose dans ta bouche bientôt, regarde. Ouvre grand. Oh, tu hurles. Oh, tu hurles. Ça va bien? C'était de l'eau en fait. Well, that's what happens when you put the body through the ringer. In his heart? I'm still here. Ouais, ouais, t'es toujours là, mec. Je confirme. Ça va la forme? Tac! Ça va? D'autres informations peut-être? Mr. K. Mr. K. I don't know anything, please. Okay. He chain smokes. And he's left-handed. What's that? He chain smokes. And he's left-handed. Ah, okay. Any of these bearded guys at the party smoke cigarettes? Mr. K says he smokes like a pack of two a day. Redwood cigarettes? Thank you, Mr. K. Steve's telling me. Ok, il est gaucher et il fume. Voyons voir. Toi, tu fumes pas. Toi, tu fumes pas. Toi. And he's left-handed. T'es gaucher, tu fumes. Now I get it. You're telling me to assassinate a guy because he's got facial hair, a cigarette, and he's left-handed. I'm telling you to assassinate a guy because he's a threat to national security. C'est toi, mec. The rest. Ah, I see someone. C'est he toi, fits mec. The profile. Yep, fits it all the way. I got a good feeling.
Well, as good as you can get while clipping a guy who probably don't deserve it. And now I'm taking a shot. Bouge pas entre les deux yeux, mec. Eh, faut toujours regarder son... Faut toujours regarder le viseur avant de mourir. Regarde le viseur. Voilà. Definitely a lefty. Redwood smoking, bearded, maybe, could be, used to be, Azerbaijani. Good enough for me. Steve, it's done. Woo! That is a wrap, my friends. Excellent work to the pair of you. Now, I got a racquetball game to get to, so Trevor, if you take care of Mr. K, I think we're all set. What the fuck do you want me to do with him? I would say he's outlived his usefulness. Oh, come on, please. Shut up! That's a sport. Let's go, come on. Wait a second, Mitsu. Fuck, let's just go, okay? I ain't gonna let those G-Man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. T'as même encore à marcher avec tout ça, toi. Stairs. Oh, for fuck's sakes. Come on. Let's go. All right. Now you got a flight to catch. Okay? Let's get you to the airport. Oh, avec la jambe en morceaux et tout ça. J'aime bien. Bon, les amis, l'épisode était relativement long. Moi, je vais emmener notre ami, le monsieur, un peu, voilà, à l'aéroport dans le prochain épisode, même si c'est pas trop loin. Bon, bah voilà. J'espère que vous avez apprécié l'épisode, les amis. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime. Si vous voulez vous abonner, c'est dans quelques secondes en cliquant sur ma tête. Ça fait plaisir. Moi, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.